J'en profite d'ailleurs pour lancer officiellement la 15e édition de Graines de Boss, ce concours de création d'entreprises dont le groupe M6 est partenaire. Il est ouvert aux entreprises créées depuis moins de 5 ans. Rendez-vous sur le site www.grainesdeboss.com. Bonne chance à tous. Lancé comme chaque année sur M6 par le magazine Capital, le concours Graines de Boss est depuis plus d'une décennie un véritable tremplin pour les entrepreneurs français. Cette idée de Graines de Boss qui est de créer du réseau, en fait, parce que c'est ça l'idée qui est derrière, des réseaux entre les jeunes entrepreneurs et des chefs d'entreprise, est à bon de ma vie un bon concept qu'il faut absolument soutenir. Fort de son succès en France, Graines de Boss s'est exporté au Royaume-Uni, au Canada et en Suisse romande. Le concours permet aux entrepreneurs ayant une entreprise depuis moins de 5 ans de présenter leur entreprise au jury Graines de Boss, quel que soit leur domaine d'activité. Il appartient à ceux qui ont la chance d'être effectivement intégrés dans un tissu économique, de faire bénéficier à d'autres qui ont des idées, qui se donnent du mal et qui essaient de faire des choses, d'intégrer ce tissu économique et de nous enrichir. Des groupes structurés, ayant bien entendu l'appétence et l'envie de travailler avec un écosystème innovant, peuvent apporter un accès au marché, peuvent apporter un réseau, peuvent apporter des synergies. Et aussi donc leur donner l'accès et l'accompagnement d'un grand groupe. Il y a une vraie une relation de confiance qui s'installe, et un vrai échange constructif autour du projet. Cette année encore, Graines de Boss a recueilli 200 dossiers de candidature. Autour de Fabrice Delon, les équipes de Graines de Boss ont étudié plus de 200 dossiers et 56 mentors ont instruit 56 projets. 35 entreprises finalistes ont pu présenter leurs projets devant les jurys Graines de Boss. 15 lauréats ont été sélectionnés. Ça a été une expérience très très enrichissante puisqu'on a eu l'occasion de voir un certain nombre de jeunes pousses nous proposer des solutions innovantes. On a affaire à de jeunes entrepreneurs qui décoiffent. Ils viennent défendre des projets de manière extrêmement motivée, avec envie, avec intérêt. Meilleurs sont les managers qui portent les sujets, le plus de chances le projet a d'aboutir et d'aller loin. Sur ces jeunes pousses-là, on sent vraiment un amour du produit, presque une passion pour le produit qu'ils viennent commercialiser, et ça c'est formidable. Il y a une richesse, il y a un dynamisme, mais qui se fait avec un esprit entrepreneurial, une certaine humilité. J'ai trouvé ça extrêmement professionnel. J'ai rencontré des gens incroyablement intéressants, vraiment diversifiés. Pour nous, c'est d'essayer de comprendre quelque part un petit peu leur secret. Comment un entrepreneur qui a une idée arrive à faire d'une idée une entreprise. Les gagnants du concours Graines de Boss profitent d'un gain de notoriété immédiate pour l'entreprise, du soutien d'un réseau de 500 mentors adhérents en France, en Grande-Bretagne et en Suisse romande, d'un financement facilité auprès des investisseurs. Depuis la création du concours, 195 millions d'euros ont été investis auprès de nos lauréats par des fonds d'investissement et des business angels. De nombreux contrats signés entre les lauréats et les entreprises représentées par les mentors. Alors, Graines de Boss représente une superbe opportunité d'exploration de par la qualité et la diversité des solutions présentées. Pour continuer à comprendre comment les marchés évoluent et comment les services évoluent, eh bien, les startups apportent une vraie richesse et une réelle ouverture d'esprit. Il y a une fraîcheur, il y a aussi une capacité que les jeunes entreprises ont à pivoter, à se remettre en cause très vite, dans des cycles très courts. Ces jeunes pousses sont aussi des découvreurs de talents, donc peut-être des futurs collaborateurs de la SNCF ou des futurs partenaires avec qui on doit pouvoir travailler. Ça permet d'être une formidable tribune d'observation de l'innovation dans notre pays et donc de trouver aussi des partenaires, des technologies, des savoir-faire, des services qui peuvent rentrer dans notre propre activité. Graines de Boss existe grâce au soutien de ses partenaires et à l'engagement et l'enthousiasme de ses mentors. Tous donnent de leur temps pour aider ces nouveaux créateurs à lancer leurs activités. Grâce au réseau Graines de Boss, on a pu rencontrer des grands acteurs du mobilier urbain, de la distribution, du retail, qui nous ont permis vraiment de mieux appréhender notre marché. Alors, Graines de Boss, ça nous a permis de rencontrer des grands dirigeants qui ont pu nous conseiller, notamment rencontrer un de nos business angels. Et ça nous a surtout permis une super visibilité sur M6, qui nous a permis d'accélérer la crédibilité du service et la volumétrie sur tous nos sites. Graines de Boss continue chaque année à étendre son réseau de chefs d'entreprise et dirigeants qui s'engageront demain pour soutenir les créateurs d'entreprises. Vous souhaitez conseiller ou accompagner des jeunes entrepreneurs talentueux? Rejoignez-nous comme mentor sur grainesdeboss.com.